faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Initialement prévu du 28 octobre au 3 novembre 2019, la première édition du Festival de la Culture et des Arts de Béomi s'est finalement déroulée du 2 au 7 novembre 2019. La cérémonie d'ouverture, essentiellement marquée par une compétition de danse traditionnelle, a été célébrée le samedi 2 novembre au stade Goli, sous l'autorité spirituelle de Sa Majesté Nana Ago Barthélémy, chef canton de Béomi, sous le haut patronage de M. Jama Kouassi, maire de la commune de Béomi, sous le parrainage de M. Désiré Kouadio, contrôleur financier. Selon le commissaire général Ngota Claver, le Festival de la Culture et des Arts de Béomi a pour objectif de faire la promotion de la culture de Béomi. Le Festival de la Culture et des Arts de Béomi est un festival pour mettre en valeur la culture de Béomi. Parce que quand on dit Béomi aujourd'hui, on pense automatiquement au Goli. Or, il y a d'autres aspects de notre culture, d'autres masques. Nous avons à Béomi plus de 300 masques traditionnels que nous ne savons pas. La génération aujourd'hui, ceux qui sont là, les enfants, ils ne savent pas. Alors nous voulons réveiller toutes ces danses-là qui sont en train de mourir et aussi en restant en symbiose avec les allogènes avec qui nous vivons ici. C'est d'ailleurs pourquoi la première édition porte pour thème « Brassailles culturelles pour une cohésion sociale forte » pour coller à l'actualité, pour qu'ensemble nous fassions la réconciliation à Béomi. Oui, M. Ngota, oui. Tout à l'heure, nous avions vu l'imam d'accord. qui est venu à votre démarrage. D'accord. Quel sentiment éprouvez-vous avec tout ce que nous avons connu? Bon, c'est un sentiment de joie, puisque nous avons approché les imams, nous avons approché les chefs traditionnels, nous avons approché les autorités administratives et coutumières. Le FESCAF se veut synergie d'action de toutes les forces vives de Béomi. Alors, quand on voit tout le monde réuni comme ça, ça nous fait plaisir. Alors, le dernier mot, c'est que Béomi a tant souffert. Ce festival, nous le faisons humblement pour apporter notre pierre à l'édifice, à la réconciliation à Béomi. C'est un temps, soit peu, les jalons que nous posons pour que la réconciliation soit effective à Béomi, pour que halogènes et autochtones vivent ensemble, viennent boire ensemble, viennent danser ensemble. Le parrain du FESCAB, Désiré Kouadio, a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit des organisateurs de ce festival qui a contribué à renforcer en tant soit peu la cohésion sociale à Béomi. Avec les événements que Béomi a connus, surtout la crise intercommunautaire, que pouvez-vous dire par rapport à la mobilisation à tous les parents malinqués qui sont avec les parents baoulés sur un terrain baoulé? C'est vraiment formidable. Tout à l'heure, à côté du chef canton, il y avait l'imam, le représentant de l'imam. On ne peut pas mieux espérer. Il faut souhaiter seulement que la cohésion regagne les rangs de tout le monde. On ne gagne rien en se divisant. On ne gagne rien du tout. Le mieux est de taire les petites querelles. Parce que
les différences existent toujours. Et il faut espérer que les uns et les autres comprennent qu'on a intérêt à nous mettre ensemble. Si on est ensemble, tout marche toujours. Le chef canton de Béoumi, Nana Ago Barthélémy, a lancé un appel à l'union et à l'entente de tous les cadres de la région. Je demande au Tout-Puissant de réunir tous mes cadres. Ils n'ont qu'à s'entendre malgré leur diversité. Quand on danse le goli, ceux qui dansent le petit lot, tout le monde se met ensemble. Donc vraiment, je dis merci. Merci beaucoup, je remercie la population. Vous voyez qu'il y a la gaieté, il y a la joie, et c'est ce que nous demandons. Ce soir, nous avons vu l'imam qui est un des grands responsables de la communauté musulmane, Malengue, qui était là avec vous, voilà, en train de communier à ses débuts du festival. Quel sentiment vous aviez éprouvé quand vous l'avez vu? Oui, mais c'est toujours une joie de le retrouver à mes côtés. Quand les gens disent que oui, autant de Nana Jean Kwadjo, autant des autres imams, il y avait la joie. Oui, à leur temps, il n'y avait pas la politique. Vous voyez, alors notre temps est difficile. Et c'est pourquoi je demande aux uns et aux autres, malgré leur diversité, de se réunir, de se regrouper. Et je crois que nous avons compris, voyez, à quelque chose malheur est bon. Je crois que cet incident des 15 et 16 mai nous ont donné, cet incident nous a donné, je crois, de quoi réfléchir. Et ça va amener la cohésion. Et c'est ce que nous demandons. Et je suis très content de le voir à mes côtés. Quant au maire de la commune de Béoumi, Jean Makouassi, il a félicité les initiateurs du festival tout en mettant l'accent sur le fait que la page de la crise intercommunautaire a été tournée. Nous avons vu aujourd'hui les deux communautés qui, hier, se sont battues ensemble avec la présence de l'imam. Qu'est-ce que cela vous fait dire? Bon, c'est vous qui perdurez encore dans deux communautés qui sont battues. Voilà, il y a toujours des histoires. Il peut y avoir des histoires entre le mari et la femme. Il peut y avoir des histoires entre le grand frère et le petit frère. Donc, c'est vous qui perdurez encore dans ça. Nous, on a déjà tourné la page. Nous savons que c'est un mauvais vent qui a soufflé et ça existe partout. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de consolider les acquis que nous avons dès le départ. Voilà, pour aller de l'avant. Nous savons que nous avons besoin de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble pour que Béoumi puisse aller de l'avant. Donc tout le monde a compris ça au jour d'aujourd'hui, jeunes, vieux, femmes, enfants, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, donc nous avons vraiment besoin de ça. Ivoire TV.